Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet, lose one. So tranquil, tranquil, now for you with me, I don't remain. Tranquil, tranquil, c'est ici que je me suis collé. Tranquil, tranquil, mon amour, we die for ya. Bonjour les gars, j'espère que vous allez très très bien. En fait, je viens de me réveiller et j'ai passé vraiment une nuit très très dure. Si vous constatez, j'ai pas bien dormi, j'ai encore les yeux rouges. En fait, j'ai voulu faire un weekly vlog parce que dans cette semaine, je compte faire beaucoup de choses. Et pour commencer déjà, je compte défaire mes cheveux. Je défais mes cheveux et je me fais des braids moi-même. Est-ce que vous saviez? Généralement, mes braids, je les fais moi-même quand j'ai le temps, quand je suis posée. Je l'ai fait moi-même. Mais c'est si j'ai dû payer pour qu'on le fasse. Mais c'est déjà vraiment vieux. Donc, on va commencer déjà par laver ça. Je vais nettoyer ça. En fait, dans cette semaine, je vais faire beaucoup de choses. Pédicure, manicure, tout ça. Moi-même, à la maison. Et aussi, je vais un peu sortir, m'amuser. Bon, bref, c'est mon chéri à le temps parce qu'il travaille beaucoup. Du coup, je vous dis dans cette vidéo, viendra vraiment des choses très intéressantes. Vous allez voir comment est-ce que je prends souvent soin de moi seule. Je prends soin de mes ongles, je pose mes ongles seule. Je m'occupe de mes pieds seule. En fait, dans cette semaine, je vais tout vous montrer. Déjà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller laver mes cheveux. Oh, l'avion qui passe. Je vais laver mes cheveux, essayer de défaire. Cette journée, j'ai un peu quelques petites marches à faire avec mon chéri que j'ai pas trop besoin de filmer parce qu'on sera tellement pressé. Donc, dès que je nettoie mes cheveux, je rentre le soir. Je vais un peu me poser devant un Netflix et détacher. Comme ça, je recommencerai à faire des braids moi-même. J'ai toujours la même mèche, le reste que j'ai utilisé pour faire ceci. C'est avec ça que je vais faire mes braids, des grosses braids en fait. Je ne veux pas trop perdre de temps là-dessus. Donc, on commence déjà par laver. Je vais vous montrer le shampoing que j'utilise. Tellement j'ai aimé ce shampoing. Je ne sais pas si vous pouvez trouver ça là-bas où vous êtes. Ça, c'est pour femmes, c'est fini. Du coup, je vais prendre mon chéri, je vais utiliser. Oh, j'ai pas le choix en fait. Je sais que la luminosité, elle n'est pas vraiment très bonne. Mais c'est pas grave, on est dans la douche. Oh my god, je viens de me lever et vraiment, il faut que j'essaie un peu de régler l'eau. Je ne sais pas si il y a des gens comme moi qui aiment se laver avec l'eau vraiment, vraiment chaude. Je ne sais pas si je suis la seule. Déjà, quand je voulais garder mes braids, parce que là, je vais les détacher le soir. Quand je voulais les garder, je lavais plus le cul chevelu, plus comme ça pour que ça soit propre. Et je ne touchais pas trop la longueur pour pas gâter en fait la beauté de la chose. Les gars, je crois vraiment ça va me prendre beaucoup de temps pour laver ça. Donc dès que j'ai fini, on va se retrouver au moment où je serai posée devant ma série Netflix. Et déjà, je vous dirai quelle série est-ce que je regarde en ce moment. Donc, à tout à l'heure. Les gars, je viens tout juste de finir de laver mes cheveux. Et comme j'avais dit dans mes précédentes vidéos, pas heureux, je ne sais pas trop, qu'on va déménager. Il y a un agent immobilier qu'on va rencontrer dans 30 minutes. Donc, je vais vite faire le petit déjeuner. On va aller vite manger avec mon chéri. J'espère que mes cheveux seront secs. Sinon, je vais utiliser le séchoir. Je finis vite et je vais faire ça vite fait. Hein. Je sais pas si je vais vous montrer parce que ça va prendre le temps et mon chéri est fâché. Il va dire, mais fais vite, on mange, on parle, ne filme pas. Si vous entendez le bruit, ce sont les fruits de pomme que je suis en train de faire parce que je veux faire des fruits de pomme avec des œufs mélangés avec de la sardine et tout. Vraiment, j'aime beaucoup ça. Entre temps, j'apprête les fruits. Comme Faya Patio. Till the finish line. If you love my race, I'll go run to you. I'll go run to you. If you can bring your case, I'll go stand for you. I'll turn up for you. I could be your number one copper. Your copper. Keep your hands on my body, oh. Body just like okra. So tranquil, tranquil. Now for you with me, I don't remain. Tranquil. La famille, je sais que vous m'avez déconseillé dans la dernière vidéo,
Là, je suis posée tranquille, je vais détacher mes cheveux comme ça. Et j'ai mis ma machine devant moi sur la table pour visionner Netflix en me détachant les cheveux. Ouais, je ne veux pas vous montrer comment détacher les cheveux, nous tous nous savons. Et aussi, quand je vais détacher, je vais prendre beaucoup de positions, sortir, bouger, puisque je fais, j'urine chaque 2 minutes. C'est insensé, c'est incroyable. Du coup, je ne peux pas filmer en allant uriner, revenant. Peut-être que je ne vais même pas finir de détacher ce soir. Je vais peut-être détacher demain parce que ça, ce n'est même pas le même jour. Ça, c'est le lendemain du jour où j'ai filmé la vidéo où j'ai fait le petit déjeuner à mon mari. Parce que quand on est rentré, on était crevés. Donc, du coup, je vais détacher. Dès que je vais finir de détacher, on va se voir avec les soins de cheveux et comment je vais tresser en fait. Donc, attendez, je vous montre même la série que je suis en train de regarder, ma série du moment. Oh my god, j'aime trop cette série. Je vous montre tout de suite. Quelle série est-ce que je voyais avant? Je voyais une série du nom The Witcher, le sorceleur. Je ne trouve plus cette série. Je vous conseille aussi cette série si vous vous ennuyez souvent. Et aussi, maintenant, qu'est-ce que je vois? Le survivant désigné. Oh my god, je ne vous dis même pas. J'ai passé toute une journée à détacher ces cheveux. Je les ai lavés. Avant de les laver, en fait, j'ai mis de l'œuf dans mes cheveux. Donc, j'ai juste pris un œuf, j'ai battu, j'ai mis dans mes cheveux. J'ai laissé reposer pendant 2 secondes. 2 minutes. Les gars, je suis épuisée. Ensuite, j'ai rincé. Et j'ai lavé avec mon shampoing. Après, un petit après-shampoing que j'ai juste pris aujourd'hui. Oui. Oh my god. Là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer un peu. Vous savez, j'ai les mèches avec moi en fait. Regardez. J'ai les mèches avec moi. Cette mèche, ça c'est le reste d'une mèche que je m'étais tressée avec depuis longtemps. Je vais utiliser ça ici devant. Et le reste, tout ça, j'ai aussi apprêté tout ça. Je vais utiliser ça derrière en fait. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie de brocher mes cheveux. Mais je ne veux pas trop les brocher parce que j'ai mis de l'huile. J'ai fait l'erreur, j'ai mis de l'huile. Et si je broche trop, la chaleur va vraiment abîmer mes cheveux en fait. Donc, j'essaie de brocher. Fini! Je ne suis pas trop capillaire en fait. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais découper ma tête en quartier. Et je n'aime pas commencer mes braids derrière. Je sais que normalement, la norme serait qu'on commence derrière. Mais je ne peux pas. Je n'aime pas en fait. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement commencer des côtés. Dès que je finis un peu le côté, si je me sens fatiguée, je lance de ce côté jusqu'à ce que ça reste juste le derrière. Là, si je suis fatiguée, je pourrais faire les gros derrière. J'ai vraiment envie de faire des braids simples. La dernière fois, je faisais un peu des braids qui sont carrés et tout. Là, maintenant, je veux un truc simple comme ça. Je vais pas trop me casser la tête. Je suis d'abord trop fatiguée. Donc, je vais vite faire. Je vais filmer la caméra comme ça. Dès que je fais une bonne partie, je rallume, je vous montre en fait. Je vous montre un petit aperçu de ce que je suis en train de faire. J'ai tout fini la bande d'avant, comme vous pouvez constater. Ok, je continue. Très bien, je viens de terminer. Ouais. J'ai fait une petite queue derrière. Je crois que je la préfère comme ça. Je viens de terminer en fait. J'ai fait ça vraiment gros. Je crois que c'est demain quand je vais sortir que je vais essayer de mettre ce gel ici. Sur mes baby hairs. Là maintenant, j'ai fait ça vite fait. C'est bon, rendez-vous 1 semaine et demie, 2 semaines. 1 semaine et demie en fait. Ok.
Les gars, on va se dire demain parce que je vais sortir. Je voulais mettre les ongles ce soir, mais je suis vraiment crevée. Et il me faut tremper mes pieds dans l'eau chaude avec mes mains durant 20 minutes. Et je ne peux pas vraiment supporter de le faire maintenant. Tout ce que je vais faire, je vais essayer de prendre une douche et de me reposer en fait. D'essayer un peu de me reposer. Ok les gars, à tout à l'heure. Le résultat final. Du coup, les gars, notre journée va essayer de continuer. Mes ongles ne sont pas encore faits, ni mes orteils. Qu'est-ce que je vais faire, les gars? Je vais essayer d'aller au supermarché, acheter de nouveaux ongles, acheter de la lime parce que ma lime est abîmée et vraiment, il y a un endroit où on vend ça spécialement. Mais pour payer ça, il faudrait que j'aie le passe sanitaire. Et mon passe sanitaire s'est expiré il y a 3 jours. Donc, c'est impossible d'entrer nulle part. Sauf si il y a un an, je ne sais pas, les gars, je vais essayer de trouver. Vraiment, je vais passer ma journée à regarder ça. Si je ne trouve pas, vraiment, c'est grave pour moi. C'est grave. Sauf si je serai encore obligée de payer pour faire un nouveau texte. Et ensuite, pour pouvoir payer une lime pour faire mes ongles. Quand cela ne tienne, je suis en train de vouloir attendre mon chéri. Quand il va rentrer, on va essayer d'aller un peu s'amuser avec l'un de ses amis, avec sa femme aussi. On va aller un peu s'amuser dans des jeux. Le baby foot. Nous, on aime beaucoup ça en fait. Et on s'amuse beaucoup à jouer à cela. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir. Si je ne parviens pas à trouver cette ligne dans des endroits où il ne nécessite pas le pass sanitaire. On va se retrouver directement dans cet endroit de jeu. De cette façon, je pourrais trouver plutôt un moyen d'avoir une lime parce que vraiment, il faut que j'arrange mes ongles. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et j'aimerais vraiment vous montrer comment est-ce que je le fais toute seule. Toute seule. Et c'est vraiment beau. Bon, d'après moi, c'est beau. Puisque quand je vais vous dire quelque chose, vous allez dire: Trésor, tu sais, tu te tresses seule, tu fais les ongles seule. Quand j'étais étudiante, quand tu es étudiante au Cameroun, surtout à l'étranger, quand je suis arrivée à l'étranger, parce qu'au Cameroun, se tresser, ça ne coûte rien. Mais à l'étranger, je me retrouvais à dépenser beaucoup plus juste pour une coiffure. C'est là que, puisque je sais déjà coiffer, je me suis dit, il faut que j'apprenne à me coiffer seule. Là, trop, c'est trop. Même pour des ongles, je me trouve à dépenser beaucoup d'argent. Et puisque je m'occupais toujours de la propreté de la maison, j'étais toujours en train de nettoyer le sol, aller à la cuisine, préparer, nettoyer la cuisine, nettoyer les douches, nettoyer ma chambre, je me trouvais à abîmer mes ongles. Je me suis dit, mais tiens, je dépense beaucoup pour avoir des ongles qui sont beaux. Et ça ne fait qu'une semaine, ça commence à quitter. Même si je mets du gel, ou bien je pose d'abord l'ongle, ensuite je mets le gel au-dessus, ça ne va pas durer 2 semaines, 1 semaine au trop. Je me suis dit, mais ça c'est dépenser beaucoup d'argent. Il faut que j'apprenne un peu à le faire seul. Là, je pourrais le faire seul un bon bout de temps. Dès que j'aurai un peu d'argent, je décide de me faire plaisir. Je me fais de très beaux ongles. Mais pour le moment, j'apprends un peu à le faire seul. C'est là que j'ai appris à le faire seul, à me tresser seul. Donc, je voudrais vraiment dans cette vidéo vous montrer qu'on peut tout faire, nous les femmes. On peut tout faire. On peut tout faire. Généralement, quand on n'a pas de sous, on peut vraiment se rendre belle sans dépenser de l'argent et toute seule. J'aimerais vraiment qu'après avoir regardé cette vidéo, même si vous ne connaissez pas tresser et que souvent vous vous trouvez à dépenser beaucoup d'argent, étant étudiante sur vos tresses, pour vous rendre belle comme toute femme en a besoin, vraiment, il faut que vous apprenez un peu à le faire seul. J'espère que cette vidéo vous motivera. Je vais pas trop bavarder. Je vais sortir, essayer de trouver notre lime pour nos ongles. Sinon, ça va pas aller en fait. Ça va pas aller. Déjà presque au marché. On se retrouve à l'intérieur. Je crois que ça va faire l'affaire. Et ça aussi pour les pieds. Les gars, je veux aussi un rasoir. Tout ce que je vois ici, c'est du vrac. Je veux quelque chose qui est pour une peau sensible. Et aussi qui contient de l'aloe vera. Oh my god. Je crois que je vais prendre ça. Non, ça. Si on a presque fini le stock, ça veut dire que c'est bien. Pour peau sensible. Ouais, je prendrai ça.
mais pas cette couleur. Il y en a plein ici, mais ça c'est beaucoup plus moins cher. Plus c'est vraiment cher, plus c'est bien. Du coup, j'ai pris le plus cher en fait. Comme je disais, j'ai pris le plus cher parce que je ne voulais pas avoir de poils incarnés en fait. Puisque j'aime pas le rasoir électrique, ça fait vraiment mal. Moi, je préfère utiliser ça avec la crème épilatoire. Maintenant, depuis que je suis en train de regarder la crème épilatoire, je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Oh my God. Ou bien parce que c'est écrit en une autre langue que je ne parviens pas à reconnaître. Mais je ne trouve pas. Maintenant, on va un peu essayer de prendre mon huile de toilette parce que c'est fini. Malheureusement, je vais vous montrer un peu. Il n'y a pas ça ici, c'est un peu rare. Il n'y a que, regardez derrière moi, ça c'est le rayon des huiles de toilette pour femmes africaines. Il n'y a que des huiles pour décapage. Vraiment, ça c'est vraiment souillé la femme africaine. Partout où tu vas voir des huiles de rayon femme africaine, c'est que des huiles pour décapage qui contiennent l'hydroquinone. Maintenant, mon lait était placé quelque part ici. Mais il n'y en a pas. À côté du Nivea, il n'y en a pas. Donc, je vais aller dans une autre boutique. Et on va se retrouver à la maison une fois, les gars. Oh, il y a les sacs là-bas. Non, je me concentre sur une chose. On se retrouve à la maison et je vais essayer de faire mes ongles avant qu'on ne sorte le soir s'amuser. Comme ça, quand je vais jouer au baby foot, j'aurai pas les ongles comme ça en fait. À tout à l'heure, les gars, je vais aller payer. Mon chéri est en train de payer en fait. On se dit. Très chaude. Maintenant, qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter un bouchon, non pas un bouchon, quelques gouttes. Bon, presque un bouchon de cette solution que j'ai acheté au Cameroun. J'ai acheté ça au Cameroun. Je ne sais pas quand ça va finir, où est-ce que je vais trouver. Regardez bien. J'ai passé toute la matinée à faire le ménage. Du coup, je n'ai rien nettoyé, même comme pied. C'est maintenant que je veux faire ça. Et aussi, oh, elle est toujours chaude. Putain. Mais c'est quand c'est chaud que c'est bien. J'espère que c'est clair. Oh! Les gars, on va un peu attendre que l'eau soit. Que l'eau se refroidisse. Non. Compte tenu du fait que je me suis coupé le doigt hier en préparant, je ne peux pas vraiment tremper mes mains à l'intérieur parce que ça fait mal. C'est la prochaine fois que je vais faire la manucure en fait, que je vais tremper mes mains à l'intérieur. On va attendre 10, 5 à 10 minutes pour que mes pieds soient vraiment ramollis. Ensuite, je vais laver avec ça. Ça aussi. Et aussi, je vais tailler mes ongles. Nettoyer mes ongles, en fait. J'ai une petite trousse là que j'utilise pour nettoyer mes ongles. Là, on va attendre. Oh my God, regardez. Toute la peau morte sort, regardez. En bas des pieds, regardez. Oh! Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est un morceau de... C'est un morceau de quoi comme ça? De ciment, de papin. Donc, on va utiliser ça pour frotter. Ah, j'en ai un autre qui est plus efficace. Normalement, je devrais enlever de l'eau, déposer sur une serviette, frotter. Mais puisque je suis en train de faire une vidéo YouTube, je galère déjà assez pour enlever de l'eau, changer la position de la caméra avec mes mains mouillées et tout et tout et tout. Donc, je vais un peu faire ça vite fait. Quand ma solution finit, généralement, j'utilise... je mets... le vinaigre blanc dans l'eau tiède, le sel de mer, et je trempe mes pieds à l'intérieur.
Là, vraiment, mon ongle ici est vraiment large. Et tout ce qu'il y a ici, ça ne convient pas à ça. C'est ce qui m'énerve en fait. On va essayer de placer. Après, je vais limer, voir si ça convient. J'aime d'abord commencer par cet ongle-là. Oh my God, ça ne donnera pas. Je vais essayer de coller de telle sorte qu'il n'y ait pas de vide. Oui, ça va quand même créer. J'aurais vraiment voulu le faire avec du gel, avec tout le matériel et tout, mais j'ai pas encore payé cela. Dès que je vais payer, ça sera un peu beaucoup plus professionnel. Sorti un peu se balader. En fait, j'ai dérangé mon chéri. J'ai dit que je vais manger quelque chose de dehors. Il y a sommeil. C'est ça, non? Je profite un peu. C'est ça que je suis venue manger. Chéri, ça vaut la peine. Hein? Mettre au couteau là. Et c'est très bon. Tu me mets au couteau là. Pas brisé. Aujourd'hui, vous savez, j'ai fait dans l'immobilier. Aujourd'hui, il y a un client qui a libéré une chambre. Et le temps pour moi. Dans l'un des appartements, oui. Le temps pour moi de mettre de l'ordre parce qu'un nouveau client est en train d'arriver. Et c'est pas bien, vous savez, qu'un client vient trouver de la saleté, de la moisissure et bien d'autres. Donc, nous avons décidé de mettre de la peinture pour essayer de retourner en quelque sorte oui. La chambre. Et aussi, vous savez, si. Quand on prend un appartement, en fait, quand mon chéri, parce que je suis venue, il y avait cet appartement. Quand mon chéri prend un appartement, il y a ce qu'on appelle, c'est quoi? La maintenance. Oui, la maintenance qui vient nettoyer. Mais si tu es déjà dans l'appartement et si tu déménages, il n'y a plus de maintenance, en fait. Du coup, il y a des gens qui sont quittés d'une des chambres. Il faudrait qu'on remplace ça. Il n'y a pas de maintenance. Il faut qu'on utilise. Généralement, il y a des maintenances, mais il y a des jours où ils vous disent qu'ils se déplacent, vous devez les payer excessivement cher. Oui, excessivement cher. Or, ma femme et moi, on peut se mettre à l'œuvre pour faire des petites bricoles pour rendre encore un peu plus perfectionnel par rapport à avant. Donc, il y aura des gens qui vont venir, les nouveaux clients, clients oui. Oui, les clients qui vont prendre cette chambre. Du coup, il faut que quand ils viennent, les montants qu'on est en train de tuner pour que ça soit bien, en fait, accueillant. Dans la vidéo, vous allez voir certains gens qui seront avec nous en train de nous aider en fait. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper comme ça et on va mettre la peinture. Chérie, tu as dit que tu vas mettre le bleu en bas et le blanc en haut. Ouais, justement, nous avons deux couleurs, la blanche et la bleue. Ouais. Oui, on va mettre semi-blanche, semi-bleu. Et comme vous voyez ces rideaux derrière là, en fait, les gens prennent les chambres, nous on ne vérifie pas ce qu'ils font dedans. Souvent ils prennent des chambres, ils partagent encore cette chambre avec d'autres personnes. Ceux qui étaient là avant, apparemment ils avaient divisé la chambre en trois, mon chéri. Ouais. Parce qu'il y a du moins des rideaux là. Apparemment ils avaient divisé cette chambre en trois. Constater, on est en train de finir. Dès qu'on finit, dès qu'on est en train de mettre la peinture, ils aménagent déjà. Bien sûr, vraiment les gars, je vais rentrer. Il faut que je range, je fais à manger pour le moment. Je crois que c'est tout pour la semaine parce que j'ai déjà fait 7 jours. Famille, j'étais en train de parler, j'étais en train de vouloir conclure la vidéo avant que la prière ne vienne. Du coup, là maintenant, je viens de rentrer à la maison et la semaine est terminée.
J'espère vraiment que vous allez aimer ce genre de vidéo, des vidéos hebdomadaires et weekly vlogs. Si c'est vraiment le cas, mettez un like et dites-moi en commentaire si vous voulez que la partie 2 vienne. Comme ça, je vais commencer dès après-demain à refilmer la semaine prochaine pour vous, filmer, pour vous poster cela dans une semaine. Donc, il faut vraiment que vous me dites dans les commentaires. Et je sais aussi que ceux qui diront dans les commentaires, c'est ceux qui ont vu jusqu'à la fin. Je vous remercie déjà pour cela. Donc, vraiment, ça a été vraiment un long parcours. À penser à comment j'ai commencé, quand est-ce que j'ai commencé ces vlogs, vraiment, ça me touche. Ça me touche vraiment et ça me plaît aussi de partager mon quotidien avec vous. Au fur et à mesure que vous aimerez, je vais vraiment tout partager. Quand je dis tout, 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 tout. Ok les gars, on se dit dans une prochaine vidéo. Je vous aime, je vous adore. Bye. J'ai encore les clés en main et la bague de mon chéri. Parce que je portais sa bague de peur qu'il ne tâche en fait. Bye, je vous aime, je vous adore. Na for you et me, I don't remain. Kankwe, oh kankwe, c'est ici que je me suis collé. Kankwe, oh kankwe, mon amour.